Benacer Ben Chohra. Il est surnommé par les forces coloniales françaises le marin du désert, un meneur d'hommes de la résistance qui a duré 27 ans au sud du pays. Cet homme est réputé pour son agilité, sa stratégie et ses tactiques dans la guerre des dunes sahariennes. Benacer Ben Chohra Ben Ferhat est né en 1804 au village de El Maralag, dans le sud de la Gouate. Membre de la tribu des Ouled Aïssa Ben Ali, affiliés au Mahamra et au Hadjadj, qui sont eux-mêmes rattachés à la mythique tribu des Larba. Il apprit le Coran dès son enfance, puis y reçut les enseignements sur les bases de la jurisprudence islamique de Ahmed Échaoui, chef du courant islamique El Khadira à la Gouate. Très jeune, il se distingua par ses qualités de chef et de cavalier émérite. Son courage et sa bravoure lui donneront auprès de ses camarades et de ses ennemis la renommée d'un grand guerrier. Il se mariera une première fois à la fille du khalifa de la ville, Ben Salem Ahmed, avec laquelle il aura une fille. Il divorcera suite au refus de celle-ci de l'accompagner au fond du Sahara, où il avait décidé de combattre les Français. Son beau-père collaborera avec les Français et le dénoncera. Il commença son combat en 1841 contre la France coloniale. Il rejoignit l'armée de l'émir Abd al-Qadir où il reçut une formation militaire. Il deviendra l'un de ses meilleurs cavaliers et participera à la bataille de Taguin. À la fin de la résistance de l'émir Abd al-Qadir en 1847, il continuera à résister dans le Sahara algérien. Contre la présence française au début des années 1851. Il s'alliera à Mohamed Sherif Ben Abdallah. Il est arrêté près de Moujbara dans la wilaya de Média en 1851 et il est incarcéré dans la prison de Bogar. Il s'évadera quelques jours plus tard de façon spectaculaire, le 5 septembre 1851. Il éliminera à lui seul plusieurs gardiens armés jusqu'aux dents. Avant la colonisation française, la Gouate était une ville fortifiée autour de laquelle se trouvaient de nombreux ksours, des villages fortifiés. En 1834, sous la direction de Moussa Ben Hassan, les citoyens de la région se rebellent avec pour objectif la libération de l'Algérie. Moussa Ben Hassan décédera en novembre 1849 avec d'autres compagnons, lors de la bataille de Zaatcha. Les troupes armées françaises envahirent la région en 1852 sous les ordres du général Guillaume Stanislas Marémonge. En 1851, lorsque les habitants de la Gouate apprirent que l'armée française allait lancer une attaque contre leur ville, ils envoyèrent des sages de la ville solliciter Benacer Ben Chohra, qui était réputé comme étant un fabuleux combattant et un fin tacticien, afin d'organiser la bataille. Ils lui demandèrent également de contacter Mohamed Sherif Ben Abdallah, afin qu'il puisse lui aussi apporter son aide ainsi que son expérience. Ce dernier fut honoré et accepta de rejoindre notre valeureux guerrier Benacer Ben Chohra au Ksar el-Hiran. Benacer organisera une rencontre avec Ihya Ben Mahamar, un autre héros méconnu, et le khalifa de Djelfa, Sherif Ben Lahresh, mais cette rencontre n'aura jamais lieu car le khalifa ne répondra pas à l'appel. Le 31 juillet 1852, Benacer fortifiera le Ksar el-Hiran en prévision de l'attaque des Français pour la défense de la ville de la Gouate. La première bataille pour libérer la Gouate a eu lieu à Ras El Ayoun, à l'entrée nord de la ville. Les Français subiront de lourdes pertes, ce qui amènera le général Youssouf à demander des renforts.
plus de 6000 soldats et mercenaires français armés jusqu'aux dents, sous le commandement du général Aimable Pélissier, lanceront l'assaut final contre la ville le 4 décembre 1852. La population de la ville, sous les ordres de Benasser Ben Chorra et de Mohamed Sherif Ben Abdallah, livre une résistance farouche et courageuse. Mais malgré leur acharnement à défendre leur ville et Sexor, l'utilisation par l'armée française d'armes chimiques et de lance-flammes feront environ 2500 morts, combattants et civils, et feront tomber la ville de La Gouate aux mains de l'ennemi français le 4 décembre 1852. Les chefs rebelles Benasser Ben Chorra, Yahya Mhamar et Teli Ben Lakehel s'échappent. Les Français viennent de conquérir une autre partie du sud de l'Algérie. Benasser rejoindra Mohamed Sherif Ben Abdallah à Rouissa, dans la wilaya de Ouergla, où il continuera d'unifier et de coordonner la résistance. Leur seule devise sera « Il faut d'abord nous compter, nous grouper pour agir mieux ». Lors de son séjour à Ouergla, il épousera Yakout, la fille du Khalifa de Ouergla, qui lui donnera deux fils, Yahya et Mohamed. Après le décès de celle-ci, Benasser Ben Chorra épousera Zhour, la sœur de Simoulay Abdelkader Drissi, qui lui donnera trois filles et deux garçons, Yahya et Ferhat. Après la chute de Ouergla en 1853, il se réfugiera en Tunisie à Tozeur et à Nefta, où il sera accueilli par le chef de la Zaouia Rahmania, qui accueillait les combattants algériens dans toute la Tunisie. Avec d'autres réfugiés algériens, il continuera à organiser des attaques dans le territoire algérien contre l'ennemi. Il retourna en Algérie où il engagea la bataille de Mégarine le 29 novembre 1854. Il rejoignit l'émir Abdelkader à qui il proposera de reprendre le combat pour libérer le pays. Ce dernier refusera la proposition après avoir signé un traité avec les Français. Soutenu par Mohamed Boualeg, il finira par provoquer la colère du bey de Tunis qui ordonnera d'arrêter ces deux hommes pour mettre fin à ces actions qui pourraient attirer la colère de l'armée française en Tunisie. Déçu par ce geste, Benasser écrira un courrier au bey de Tunis lui demandant d'avoir plus d'intérêt pour la cause algérienne. Nous sommes au service de Dieu et de son prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Nous ne manquons pas d'honneur dans notre pays. Nous servons notre religion, ce qui prouve que c'est bien la foi et le patriotisme sincère qui nous guident dans notre combat. Benasser Ben Chorra a mené une résistance sans répit, faite d'une vie précaire et dangereuse, dont le seul objectif est la libération du pays. Dès que la révolte des Ouled Sidi Chir, qui est une tribu présaharienne de l'Algérie, dont fait partie notre célèbre résistance Chir Bouhmema, en 1864, il retourna en Algérie à Ouergla et participa à de nombreuses batailles victorieuses aux côtés de Sila Ala. Il se rallia à la révolte des Ouleds de Chir, conduite par Chir Bouhmema. En 1865, il retournera à Ouergla en compagnie de Sila Ala et étendit son action en mobilisant des hommes à El Gouila, Aïn Saleh, jusqu'à Aïn Madhi, qui résistait toujours aux Français. Il garda contact avec la Tunisie où il continuait à se rendre régulièrement afin de recruter des hommes et d'assurer la fourniture des armes et des provisions nécessaires aux différentes batailles. En 1869, il se rallia à la révolte de Bouchoucha. Il participa également à la résistance de Shir El-Mokrani et de Shir Haddad en 1871 à l'est du Sahara algérien. Le 20 janvier 1872, Boumerzag El-Mokrani sera arrêté. Il sera condamné à la peine de mort par la cour d'assises de Constantine le 27 mars 1873, mais la peine est commuée en déportation à vie en Nouvelle-Calédonie. Après l'arrestation d'El-Mokrani, Benasser Ben Chorra retournera en Tunisie, à Djerid et à Nefzaouia, où il continuera son activité et en déclenchant des attaques contre les Français et leurs collaborateurs jusqu'en 1880, jusqu'à ce que le bey de Tunis l'oblige à quitter définitivement le territoire tunisien sous la menace des Français. Le 2 juin 1875, il quittera définitivement le territoire tunisien et se rendra à Beyrouth, au Liban, où il demeurera jusqu'à sa mort en 1884, à l'âge de 80 ans.
après avoir livré une résistance farouche pendant plus de 27 ans, accompagné de plusieurs batailles victorieuses et de plusieurs défaites, des camarades morts, emprisonnés ou déportés, un héros, un meneur d'hommes de la résistance du sud du pays. 27 années d'un combat permanent, un héros trop peu connu, qui mériterait de l'être beaucoup plus.